Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armored Warfare et aujourd'hui on va essayer le Stingray 2. Il n'y a pas très longtemps j'avais essayé le Stingray, enfin, j'avais fait une vidéo sur le Stingray. Donc là le Stingray 2, bon, c'est le modèle au-dessus qui est dans la même lignée. Après ça va au Thunderbolt, au Hawk 5-8, donc c'est vraiment des très bons véhicules. Et ça amène jusqu'au PL01 je crois, ouais c'est ça, 410. Un très bon char avec 4 obus dans son barillet. Une bonne dépression correcte, on va dire. Moins bonne que les modèles que le rang 8 et que le rang 9. Que le rang 10 aussi, parce que le PL a pas mal, mais bon, je crois que c'est le rang 8 et le rang 9 qui ont la meilleure dépression au niveau du canon. Mettez en haut d'une crête et vous avez votre canon qui descend en bas, donc c'est pas mal. Par contre, je crois que c'est lui qui a le meilleur blindage de face de la lignée des légers. Mais bon, ça reste un léger quand même. Alors, c'est bien ça, 4 obus. Ouais, c'est bien ça, 4 obus. Bon, je mets 6 secondes 38 pour recharger un obus et je mets 2 secondes 55 entre chaque tir. Bon, ça, il y a moyen de les descendre, hein. Moi j'ai pas mis de matériel à ce niveau là, moi j'ai mis du matériel de vision sur celui-là parce que je l'ai pas mal joué pendant un temps. Donc ça c'est un char léger rang 7 que vous avez chez les revendeurs classiques. Et moi je joue avec le modèle premium qui est exactement le même. Que j'ai gagné lors d'un événement aussi il y a un temps. Ah, j'en doutais, je voulais taper plus bas, je me dis non, je vais taper plus haut. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Je suis l'S12. Hein. Ah bah on a déjà un Mephisto, d'accord. Un mec qui s'est suicidé. Ok, super. Toujours agréable. Toujours très agréable, ce genre de personnage. Toujours très agréable hein, ce genre de personnage. Bon, on va attendre que ça se décale. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi ça n'a pas cliqué? J'ai pas bien compris là. Qu'avons-nous? Il a dû en tuer 8 je présume. 5, 6, 7, 8. Ah ah ah. J'ai juste le spoté, ça me fera du dégât de spot. Allez, let's go, on est parti. On va aller se positionner. Possible. Mettre dans ma petite position. Bon, elle est très agréable à jouer, hein, je veux dire. Bonne mobilité, il roule bien, il accélère bien, un bon coup de canon. Allez hop, je vais me mettre derrière mes petites cahutes là-bas. Souvent je me mets là, ici, là. Voilà. Vous avez une bonne équipe, c'est moins worse parce que vous avez une équipe qui réagit, mais quand ça tourne mal, c'est pas mal ici.
Ouais, de face, je lui ferai rien à lui. Il y a trop de flanc. Bon, je vais me remettre derrière la petite carcasse. Bon, ça, je vais la casser parce qu'elle m'énerve. Ah là là là, la tir de merde que je fais. Taper l'arriette. Ah, c'est du camé la cape. Pour l'instant il m'a pas capté parce que il est occupé, il vient taper un autre. C'est pas mal parce qu'en plus il y a 2-3 camions qui se cassent, mais il y a la carcasse du MGS là qu'on voit. Voilà là, lui il est pas cassable, donc vous pouvez planquer vos bas de caisse. Si vous avez un char avec une bonne tourelle, bah, vous pouvez tanker pas mal de choses. Alors, si vous avez du matériel pour la vision, les mecs sont très très loin, bah, c'est vous qui captez tout sur la cape, donc c'est très rentable. Se mettre en position. Donc là le Mephisto lui présume qu'il s'est suicidé, ouais, 700 de dégâts. On va ignorer le joueur comme ça, le jour où on tombe dessus, on saura pourquoi. Enfin, on se dira, il y avait une raison si je l'ai mis dans mes ignorés. Parce que sur cette carte là, on meurt pas dès le début de partie, hein. Si on se positionne bien, il n'y a pas 36 000 endroits à se mettre. Sauf qu'il y a un char qui n'encaisse pas, donc vous mettez pas devant. Hein. Donc voilà, je veux dire, c'est... Il est où, c'était 90 là. Ah bah là ça pas cliqué, hein. Je dois avoir des problèmes de souris en ce moment. Ah, je voulais attendre pour pas qu'il meure devant lui, que je puisse lui recoller un autre coup de canon, parce que des fois vous tuez un char et... Ça vous bouge votre angle de tir. Ah, ouais, il doit y avoir une carcasse ou quelque chose. Voilà. J'aime bien cette position là parce que vous spottez ce qui arrive là. Donc là il y a les 2-3 bus, vous les cassez pas. Parce que la plupart du temps vous spottez le char, mais si vous tirez dessus, c'est les bus qui vont dodger là le coup. Attention aux missiles, messieurs. Alors là, pourtant j'étais bien dessus. Une hitbox ou un petit truc comme ça qui devait gêner. Mais bon, un très bon véhicule. Il va bien sur certaines cartes, il est exceptionnel. Mais sur d'autres c'est plus ou moins compliqué, mais... Du fait de son DPS, c'est vrai que ça vous permet de sortir de certaines situations un peu compliquées. Donc c'est un très bon char léger. Alors on a eu deux morts quand même. Bon, lui, normal, hein, on va dire. 7000 MGS, 12000, 9000, 4000. Lui, il s'est pris des missiles vers la fin, je crois. Donc voilà, oh bah c'était le Stingray 2, un bon véhicule premium et un bon véhicule d'un Rover classique parce que vous avez exactement le même en standard. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus au prochain char. Allez, ciao ciao!